Allô guys! Ça fait un petit bout qu'on savait pas parler, qu'on savait pas fait un petit vlog. Ça va être un petit vlog tranquille. Depuis mon dernier vlog, j'ai filmé des vlogs à tous les mois, mais je vous dirais que c'est une chose de les filmer, mais c'est une autre chose de les monter. Fait que c'est ça, je commence à prendre un petit peu le processus, puis à prendre goût là-dedans. Je pense que je vais juste faire un petit... Je vais juste faire du montage, mais moins intense, comme ça je vais pas me tanner. Je commence toujours mes vlogs justement en faisant un petit update de vie. je vous dirais que le mois de novembre, ça a été quand même un mois plus difficile pour moi. On dirait que je veux vous en parler parce que je pense que... T'sais, je veux vous emmener dans mon quotidien, puis c'est pas toujours facile la vie. Fait que bref, je vais juste en parler un petit peu. Mais bref, comme vous avez pu voir ou pas, j'ai vécu une séparation amoureuse. Donc maintenant, je suis seule au condo avec Tom. Tom, pour vrai, le message que j'ai mis sur Instagram pour l'annoncer, c'était vraiment général, mais pour vrai, ça me disait vraiment tout. Je pense que c'est vraiment la meilleure décision. Je pense que des fois, il y a des circonstances dans la vie. À côté de mes études, ma job, ça va super bien. Puis une autre chose, après toute cette nouvelle-là, j'ai appris que il y avait quelqu'un dans ma famille qui avait... Donc, je vous dirais que le mois de novembre, c'est un... Je pense que si je le mettrais dans un palmarès des pires mois de toute ma vie, je serais dans les 10 premiers. Prendre une petite gorgée. J'ai pris la décision quand même de faire le vlog parce que c'est ça. Je voulais, je sais qu'il y en a qui vivent pas nécessairement des moments faciles. Je voulais vous en parler aussi parce que je pense que dans la vie, il y a toujours des choses que tu t'attends pas qui peuvent arriver. Je pense que c'est la meilleure que tu te relèves des moments difficiles qui comptent vraiment. Je pense que vous pouvez juste comprendre un peu pour vous mettre en contexte et tout. Donc ce matin, je m'en vais à l'épicerie. Il y a plus grand chose dans mon frigo, puis je veux faire attention à qu'est-ce que je mange. Je vais prendre soin de moi. Donc, je vais faire une petite liste, puis on s'en va. Je voulais vous montrer mon petit outfit de la journée. Ben là, c'est sûr, j'irai pas à l'épicerie avec ça, là. Mais en fait, c'est la collection à Marilou. Fait que j'ai reçu ça hier. Fait que c'est comme super oversize, puis t'es full confo. Fait que ça vient tout du Arden. Je viens de revenir faire l'épicerie, ça a full bien été, j'ai quasiment tout trouvé ce que je voulais. Vu que je fais du télétravail dans la maison, mon truc c'est d'y aller la semaine, comme ça c'est vraiment vraiment moins pire. Fait que je vais vous faire un petit unboxing d'épicerie, Tom. Donc pour les légumes, je suis allée avec céleri, concombre, zucchini, des avocats. J'ai aussi pris des petites tomates comme ça qui se vendaient au Maxi. J'ai pris aussi des piments, donc pas mal tout pour faire de la salade. Pour les fruits, je suis juste allée avec des bananes et des mûres. J'avais déjà des choses encore à la maison. J'ai pris des cornichons comme ça. Je trouve vraiment que c'est les Bix qui est les meilleurs. Et j'ai pris aussi des betteraves marinées. Fait que le soir, quand j'ai faim, des fois, je mixe ça avec du fromage. Puis je trouve ça vraiment bon. Ça, j'en avais plus pour faire des recettes. Donc, j'ai pris de l'ail. J'ai pris des crevettes comme ça. J'aime vraiment les crevettes blanches pacifiques. Moi, je les mélange dans n'importe quoi, j'en prends à toutes les semaines. Après ça, pour ce qui est de viande et poisson, moi, j'arrête à la boucherie Saint-Louis. Ceux qui sont proches de la rive nord, je capote sur cette place-là. Je prends plus mes choses ailleurs. Toutes mes viandes, je les prends là. Fait que j'ai pris 3 poitrines de poulet. Y a-t-il les sortes dedans? Bref, j'ai tout pris des poitrines de poulet marinées avec différentes saveurs, puis un morceau de saumon. Il me manquait du ketchup, donc j'en ai pris. Pour le lait, moi je prends celui-là. Je prends le Silk lait d'avoine avec vanille. Et là, j'ai vu ceci qui était très festif, que j'avais vraiment le goût d'essayer. Donc, je sais pas si ça va être bon, ça reste à voir, on le testera ensemble. J'ai pris du beurre parce que j'en avais plus pour mes recettes, mais j'ai pris un beurre alternatif, fait que c'est à base de plantes. Ça fait 2 fois que je le prends. Je trouve que ça goûte vraiment comme le beurre normal. J'ai pris des yop le matin quand j'ai pas très faim. Ben écoute, un petit yop, ça vient toujours boucher un petit coin. Pour le fromage, je suis allée avec un fromage suisse. Comme ça, qui était en spécial. J'ai pris du fromage feta parce que j'aime bien ça, me faire mélanger ça avec des salades.
Là, je suis allée avec de la nourriture un peu comfort. J'ai pris en fait des soupes aux tomates. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est ça, soupe aux tomates? C'est que j'ai une recette de pâte que je mélange justement avec la soupe aux tomates avec du cheese whiz, ok? Donc moi, c'est un repas que je fais depuis full longtemps qui est super comfort food. Fait que c'est de mélanger la soupe aux tomates avec du cheese whiz, puis vraiment y aller avec des les pâtes. Fait que c'est vraiment quasiment un mac and cheese. Les amis de longue date savent pourquoi j'achète ça. J'ai pris du jus de lime comme ça et du jus de citron parce que j'en avais pas. Une autre affaire de comfort, j'ai pris du café Martin Keurig parce qu'habituellement moi j'ai mon café que je le fais moudre. Puis mon café préféré c'est le Sumatra. Là, j'ai vu les Tim Hortons, j'ai dit un bon café Tim Hortons, c'est toujours réconfortant. Ici, je vous montre un peu ce que je mange quand j'ai vraiment des cravings le soir. Fait que je vais avec des chips comme ça, qui n'est pas beaucoup de calories. Et sinon, je prends des galettes de riz comme ça. T'en as à différentes saveurs. Il y en a à cheddar blanc, il y en a au ketchup aussi, à certaines places, mais il les a pas partout au ketchup. Fait que ce que j'aime, c'est justement manger petit morceau par petit morceau, mettons, en écoutant un film. Fait que c'est beaucoup moins calorique. Et c'est rare que j'achète du pain. Je suis pas quelqu'un qui mange vraiment beaucoup de pain, mais si j'achète du pain, j'y vais avec une miche de pain, je trouve que c'est tellement meilleur. Donc voilà mon petit unboxing, fait que je vais faire un petit ménage de mon frigo, puis je vais tout ranger ça. Hello, hello, je suis dans mes meal prep en ce moment, donc je voulais vous le montrer. En fait hier, ma journée, j'ai fini, puis j'ai pas mal juste travaillé toute la journée. J'ai parlé au téléphone avec des amis. Je suis en train de faire revenir en ce moment du tofu que j'ai tout coupé en petits morceaux puis que je fais revenir avec de l'huile de coco. J'ai mis des épices aussi. Puis ça, j'aime bien ça les faire comme un peu frire dans l'huile de coco. Ça fait des espèces de comme croutons slash tofu dans des salades. Fait que je suis en train de me faire une salade ici. Puis avec mon surplus de salade, ben là, je suis capable de m'en préparer un autre pour la semaine. Pour la vinaigrette, en fait, moi j'ai déjà acheté la vinaigrette, elle est tellement bonne là, oh my god. La vinaigrette de Maison Jacinthe, l'originale, puis je l'aime vraiment beaucoup, puis j'ai trouvé la recette en ligne pour la faire, fait que j'ai gardé en fait le petit pot comme ça, puis il y a comme les mesures ici, puis je suis capable de la faire moi-même. Fait que si je me trompe pas, la vinaigrette c'est 200 ml d'huile d'olive, 50 ml de tamari sans gluten, voilà. Que j'ai pris au avril, sirop d'érable 50 ml et du vinaigre de cidre de pomme 50 ml. Donc on mélange ça ensemble, puis moi je la laisse dans le pot. Fait que quand vous la commandez une fois, ça vient dans un pot comme ça. Fait que je trouve ça super pratique. À ça, je fais comme toutes mes vinaigrettes dedans. Puis un truc dedans aussi pour comme bien déloger chaque liquide. Donc j'ai fait cuire le saumon et les poitrines de poulet que j'avais acheté dans mon épicerie. J'ai fait revenir des légumes dans la poêle, fait que zucchini et piment, puis des fois je mélange tout ça ensemble, fait que... Puis j'ai fait du riz, donc cette semaine je vais pouvoir comme piger selon ce que j'aime. Donc c'est ça que ça donne en fait quand que je les fais comme revenir avec l'huile de noix de coco, mais moi je les mets sur un petit papier après parce que l'excès d'huile de noix de coco, on dirait que je tripe pas tant, fait que j'enlève un peu l'excès, puis après ça je le mets direct dans ma salade. Ce matin, j'ai essayé le nouveau lait Silk que j'ai acheté au Maxi. Je l'ai goûté, c'est bon. Je pense que j'achèterais pas 6 boîtes de ce lait-là parce que c'est quand même vraiment sucré. Je pense que c'est vraiment, si vous voulez, un vibe de Noël. Tu sais, d'acheter une boîte puis de faire des cafés avec ça de temps en temps, je pense que c'est super bon. Ce matin, j'ai travaillé, j'ai fait du télétravail. Ce qui est cool, c'est que je peux des fois garder un certain pyjama puis faire mon travail quand même. Fait qu'aujourd'hui, on va faire mon sapin de Noël. J'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai aussi un petit reel à tourner avec ça parce que je fais un concours sur Instagram. Factum, c'est un persan. En fait, j'ai jamais eu de chat de ma vie puis je pensais jamais avoir de chat dans ma vie. En fait, c'est ça, c'est que mon petit chien Biscuit, comme vous l'avez déjà rencontré, je voulais l'amener au condo, mais elle s'adaptait vraiment pas ici parce qu'elle est habituée d'être avec un autre chien qui s'appelle Henri, qui est le chien mon père. Donc chaque fois que je l'amenais au condo, elle était un petit peu comme depressed, puis je trouvais ça un peu égoïste de l'amener ici en sachant qu'elle filait comme pas. Fait que là, je me suis dit, ok, ben j'aurais pas d'animal devant. Fait que là, j'étais souvent comme tout seul et tout, fait que je me demandais, est-ce que
genre, je vais pas me chercher un autre petit chien ou peu importe. Fait que finalement, Audrey, que vous connaissez, Audrey Baudet, en fait, elle a connaissé un spot qu'elle va toujours faire toiletter son chien là-bas. Il s'appelle Rookie Froufrou à Laval. Puis elle était comme, ah, oh, viens voir, juste des fois, peut-être qu'ils ont des animaux, nanana. Puis finalement, j'arrive là-bas, puis je suis tombée en amour avec Tom, ok? Mais comme, je l'ai pris dans mes bras, j'ai fait comme, ben voyons donc. Parce qu'au départ, c'est ça, j'allais là pour un chien, j'ai jamais eu de chat de ma vie, puis je sais pas comment ça fonctionne. Puis c'est ça, fait qu'en fait, moi, j'ai juste été voir les animaux qu'il y avait là-bas, puis là, Tom me sortait plus de la tête pendant comme 2-3 semaines. Fait que je me suis dit, je m'en vais le chercher. C'est ça, fait que je me suis informée, tout ça, puis je suis allée, écoute, je suis allée m'équiper, je pense, en comme une journée et demie. Puis depuis ce temps-là, j'ai Tom à la maison, puis c'est un chat super affectueux, c'est un chat qui est super calme, il miaule pas beaucoup. Il fait comme des petits bruits de... moi j'appelle ça des bruits de gobelins là. Il fait genre des crrrr. Mais c'est tout. Fait qu'il est super gentil, super affectueux. Une chance que je l'ai. C'est fou comment qu'un animal, ça peut faire du bien. Donc là, guys, il y a du stock à la messe. Donc ça, c'est les trucs du Jardin Florian. Ça, c'est mon sapin. Ça, c'est des décos que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ça revient de mon ancien Noël. J'ai reçu ma commande de IKEA, puis je suis arrêtée aux Ardennes aujourd'hui pour magasiner. Donc, voilà. Donc ici, j'ai les décorations du Jardin Florian. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, ici, mon petit sapin. Mon sapin, je l'avais pris où? Chez Walmart. Ça fait une couple d'années que je l'ai. Il est tout blanc. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Puis ça, j'ai pris ça au Dollarama pour compléter un peu mon look. Je pense qu'il va manquer des boules de Noël. Puis j'ai pris des cannes. Donc, oh, je sais pas à quel point vous voyez. Noël! Déplugger juste pour bien voir ce qu'il y a dedans. Fait que c'est toutes des décos du Jardin Floréal, donc j'ai mis mon concours tantôt. Je capote! Tu sais, pis des décos comme ça, ça reste tellement longtemps. Donc en dessous, j'ai mis une grosse boule comme ça que je capote. C'est ma maman qui me l'a acheté pour mon premier Noël ici au condo. Je capote dessus encore une fois au Jardin Floréal. Après ça, on a les petits trucs pain d'épices. Puis en dessous, j'ai mis des petits gnomes que j'avais déjà. Donc voilà le sapin de Noël! Wow! Je pense que je vais pouvoir le garder jusqu'à le mois de mars. Donc je sais pas si à quel point vous le voyez bien, mais c'est des... c'est comme des sapins de Noël avec des petits glitters dedans. Puis quand que justement tu pèses, t'as comme de la lumière. Fait que ça, je pensais mettre ça dans mon centre de table dans la cuisine. Ça, j'ai trouvé ça aussi. Ben en fait, tout ça, là, c'est tout du Jardin Floréal. Je me suis pris une petite boule comme ça! Oh my god! J'aime tellement les boules de Noël, ça n'a aucun sens. Puis j'ai pris ça aussi. Je sais pas si vous avez jamais eu ça, mais ça là, ça sent le sapin. Fait que c'est comme une brume d'ambiance. Puis j'avais déjà des petits casse-noisettes, je vais vous les montrer. Donc j'ai ce petit casse-noisette-là, je me souviens plus où je l'ai pris. Je pense que c'est au magasin à Québec de Noël. Je capote sur les casse-noisettes, là, je vous le dis. J'ai celui-là ici que j'ai mis sur le bord de ma télé. Je capote dessus, c'est encore le thème bonbon. Mais celui-là, je l'ai pris au justement au magasin de Noël à Québec. À chaque fois que je vais là, on dirait que je sors avec un casse-noisette. Et j'ai celui-là ici qui est comme un petit pêcheur, vu que mon grand-papa était un pêcheur. Et je le mets sur le bord de ma cafetière. C'est tout le bazar que vous voyez pas. Fait que j'ai même bougé ma bibliothèque qui était là. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé au Ardennes aujourd'hui. Ils ont tellement des belles choses en ce moment, là, je capote. Donc, premièrement, mon pyjama de Noël en ce moment vient du Ardennes. J'allais aujourd'hui au Ardennes pour acheter le coton ouaté noir de la collection de Marie-Lou, qui est oversize, donc je l'ai reçu en rose. Mais ils sont tellement confus, fait que j'en ai comme pas vraiment de hoodie noir. Des fois, c'est full pratique avec plein de looks. Fait que je suis allée m'en chercher un noir, puis c'est un... pour vrai, c'est un beau noir, j'aime ça. Ce t-shirt-là, oversize, comme vintage, qui est clairement mon style à 100%. Fait que je l'ai pris comme en... quelle grandeur? Large X large. Fait que peut-être comme un long t-shirt, un pidge, un n'importe quoi. Ça ici, qui est comme un peu une veste ajustable dans le bas.
Mais ça là, je capote là-dessus avec des leggings noirs ou comme n'importe quand, juste pour être confo, même pour travailler à la maison, c'est tellement pratique. Donc ça va être tout pour ce vlog-ci, on va se retrouver dans un autre vlog. J'essaie toujours de peut-être faire mes vidéos en bas de 15 minutes le plus possible. Bye guys, on se retrouve dans un prochain vlog.